joueurs savent qu'ils ont besoin de la victoire pour assurer le maintien. Ils sont au pied du mur. Le match dont tout le monde parle, c'est celui que nous allons vivre ensemble dans quelques instants. Tous les amoureux du ballon rond sont là devant leur téléviseur. C'est l'un des plus grands matchs de la saison. La proposition de l'équipe locale qui s'affiche. L'entraîneur qui a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Et ces joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Coup d'envoi de cette première période à l'instant. On est vers la zone de vérité. Et Ibrahimovic. Très bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Touche. Fabinho. Bernardo Silva. Surface, le centre, elle repousse du point. Elle sent à la lutte. Et l'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Ouais, elle a posé à peine le ballon, ça joue. Lassana Diarra. Signe sa 50e titularisation. Ouais, ça commence à devenir assez significatif. Bernardo Silva. Jakoviak. Matuidi. Avec Zlatan Ibrahimovic. Oh, attention, il n'y a plus que le gardien. Il est peut-être au centre. Et l'arbitre estime qu'il y a faute, pénalty. Et l'arbitre qui n'hésite pas une seule seconde, qui désigne le point de pénalty. Et ça pourrait bien changer totalement la physionomie de cette seconde période, Hervé. Tremblé au point de pénalty. On a l'impression qu'il va aller face au portier, c'est propre. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Fabinho. Maxwell. Ah, retombé peut-être. D'ailleurs, je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Oh, ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Il se trouve bien. Et le tir, c'est sans problème pour le gardien. Oh, le but! Il est refusé à la position de l'enjeu. L'assistant a levé son drapeau. Frustration du buteur. On voit l'action. Et l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Le but est refusé. Matuidi. On s'approche du but.
Bobiak. Ah, c'est bien, il avait l'occasion d'égaliser là. Et vous avez raison, mais ce sont ces ballons qui sont importants. La balle pour Ribéry. Une très bonne sortie du gardien. Et oui, il fallait y aller sur ce ballon. Tricoviac. Il décide de prendre sa chance. Un tir complètement raté. Ah oui, le centre. Corner, ça va donner une occasion de but. On voit les images de ce but qui leur a permis de prendre l'avantage. Ah, c'est toujours risqué de tirer un penalty plein axe, mais ça a marché. Bernardo Silva. Sur ce corner, la défense n'est pas malheureuse, croyez-moi. Et c'est dans les bras du gardien. Antoine Di Maria. Eh oui, commet la faute. Ils sont complexes, l'équipe visiteuse qui joue le pressing maintenant. Et parce qu'elle sent peut-être que l'adversaire a trop de liberté dans la construction du jeu. Allez, bien pris. Edinson Cavani. Bernardo Silva. Et le bon centre. Et le centre, seul défenseur. Ballon donné en cloche pour Di Maria. Edinson Cavani. Ah, attention, la frappe. Ah, bonne prise de balle, gardien de but. Maxwell. Matuidi. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Bernardo Silva. Ouais, il y est. Ouais, peut-être le but de trop là, le maintien, ça ne va pas être pour aujourd'hui. On sent que les joueurs ont pris un véritable coup de massue en effet. Même les supporters n'y croient plus. Un ballon qui vient se loger en pleine lucarne. Une belle frappe puissante et en même temps précise. Il n'y a pas grand chose à faire pour le gardien. Et tout est à refaire, un but partout. Tu dis. Oh oui, bien joué. Diarra, excellent arrêt. Franck Ribéry maintenant. Fabinho. Le caviar. Bernardo Silva. Peut-être le joueur par lequel va arriver leur salut dans ce championnat. C'est peut-être le maintien qui se dessine. C'est vrai qu'ils ont maintenant leur destin en main pour sauver la saison et éviter la terrible relégation. Les joueurs ne doivent plus rien lâcher, pas un seul ballon. Alors on voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. C'est vraiment une superbe conclusion. Ah ouais, moi ça me laisse baba. Hervé, tout y est, la vista, la lucidité, le sang-froid, l'application surtout. Le geste parfait pour conclure une belle action. Ah, magnifique cette trajectoire, juste sous la barre transversale.
l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1.